Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Je tombe immédiatement amoureuse, un coup de foudre, comme on peut appeler ça. Mes parents l'adorent, ma famille l'adore, les voisins l'adorent, c'est la perle rare. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je croyais qu'il allait me sauter dans les bras et en fait c'est là où j'ai pris ma première claque. On est passé vite à deux claques, puis un coup de poing, puis plusieurs. Je me dis, ah mince, peut-être t'es prise au piège là. Pour moi, j'allais mourir, quoi. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Moi, je suis très fière. Je souhaite à toutes les personnes qui vivent des choses comme elle de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve qu'elle est hyper bien maintenant, quoi. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Rachel Jouvet. Cette femme a été victime de violences conjugales inimaginables. Ces violences ont détruit sa famille et auraient pu la faire sombrer définitivement. Mais à force de courage, Rachel est parvenue à se reconstruire et puis à vivre non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les femmes qui souffrent en silence. Bonjour Rachel. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Je voulais centrer. Qu'est-ce que vous voulez boire? Plutôt un café. Comment vous sentez? Mais bien, bien, ça va. Merci. Ça fait plaisir de vous voir avec le sourire. Ouais. Parce qu'on va parler d'un sujet grave et même très grave. Ouais. Demain, partout dans le monde, c'est la journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez vécu. Oui. Alors, il y a quelques années maintenant, mais ça a été très très grave, ouais. Vous avez fait une mauvaise rencontre. Ouais, voilà. Comme beaucoup de femmes dans ce pays. Et, énormément de femmes. Et au fond, vous avez vécu toutes les étapes. D'abord la séduction, ensuite l'emprise psychologique, ensuite la violence, ensuite la difficulté de partir. Et puis dans votre cas particulier, ça a été très très loin. Oui. Jusqu'au meurtre de mon père. Donc cet homme a tué votre père, il est en prison aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est un phénomène de société terrible. Mmh. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi d'en parler publiquement? Absolument. Je me suis rendu compte qu'on était très nombreuses et qu'on en parlait très peu. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi on en parle très peu. Pourquoi ces femmes en ont honte. Ouais. Elles sont victimes, mais elles en ont honte. Elles sentent coupables. Et on va essayer de comprendre quelle est la force qu'il a fallu pour se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes épanouie et vous êtes dans la transmission. Et ça, c'est important pour vous. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Et juste avant, je vous ai demandé si vous pouviez m'envoyer des photos de votre existence pour savoir qui vous étiez avant que ça vous arrive. Ouais. Et je me suis permis de les exposer dans la maison. Donc, je vous laisse parcourir l'atelier. Et puis, on se retrouve juste après dans le salon. Ça vous va? Ça me va. C'est par ici. And I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I'll wait without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. I can't live with or without you. Quelle émotion qui domine? Un peu de nostalgie quand je vois certaines photos. Et puis... À travers certaines photos, il y a pas mal d'émotions, des souvenirs un peu négatifs qui reviennent quand même. Quand vous voyez les photos de cette petite fille que vous étiez, si par magie l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de votre histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit?
de ne pas paniquer, que tout va bien se passer, que ça va être dur, que les étapes et les épreuves vont être difficiles, mais que c'est pour un meilleur et que tout le monde va grandir. Rachel naît à Rennes en 1978 d'un père musicien et d'une mère caissière. Elle arrive 6 ans après Laurence, sa sœur aînée, et juste avant Maude, 20 mois les séparent. Je reçois une éducation plutôt cool. Plutôt cool avec des parents très ouverts qui ont envie de nous transmettre de la joie et beaucoup d'humanité. J'étais une petite fille, comment dire, inquiète justement. Oui. C'est-à-dire ? Je regardais les adultes beaucoup et je me posais pas mal de questions sur leur comportement et j'étais une vraie éponge, ouais, c'est ça, j'étais complètement... Vous êtes quel genre d'enfant ? Quelle est votre nature quand vous êtes enfant ? Moi, je suis une enfant plutôt pétillante, je riais beaucoup, j'aimais beaucoup danser, j'aime la scène en fait. Oui, c'est ça, j'aime le spectacle, dans toutes ses formes. Et sur le plan personnel, vous voyez comment plus tard ? Plus tard, moi, je me vois... j'ai envie d'avoir un amoureux. J'ai envie d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille. Et ce rêve d'amour lui apparaît sur une terrasse de café, quelques jours avant la rentrée des classes, alors qu'elle n'a que 17 ans. En un regard, sa vie est bouleversée. Quelles images vous avez de cette première rencontre avec cet homme ? Waouh ! Voilà. Je vois que lui. À quel âge à ce moment-là ? Lui a 24 ans. Et vous 17 ans ? Et moi 17 ans. Et vous êtes à la terrasse d'un café ? Oui, voilà. Ouais. Ouais, il arrive, là, avec son cousin. Ouais. Il est magnifique, il est beau. Il est, je tombe immédiatement amoureuse, un coup de foudre, hein, comme on peut appeler ça. En tout cas... C'est quel genre de garçon ? C'est un garçon un peu, on va dire, bad boy. C'est-à-dire qu'on voit bien dans sa démarche, dans sa manière d'être, de ne pas sourire, que c'est pas quelqu'un qu'on va embêter. Et ça j'aime bien. Un côté rebelle ? Un côté rebelle, ouais. Et avec le recul, vous savez ce qui vous attire, finalement, vous qui avez 17 ans ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je suis dans une recherche un peu de sécurité. J'ai 17 ans, je trouve pas ma place. J'ai pas du tout confiance en moi. Et donc, du coup, c'est vrai que je vois en lui quelqu'un qui va me protéger, me sécuriser. Et puis, en tout cas, je serai quelqu'un à ses côtés, quoi. Et en fait, il semble aussi porter une souffrance. Et ça m'intéresse aussi. Parce que quelque part, si je peux en plus aider quelqu'un avec mon amour à aller bien, si je peux le sauver. C'est pas anodin ce qu'on se dit là. Hein. Ouais. On sait la suite de l'histoire. Ouais. Et on va essayer de comprendre le mécanisme qui va faire que vous allez vous accrocher à quelqu'un qui vous fait souffrir. Ouais. C'est parce qu'il y a ça, au fond, cette idée qu'on peut cette sauver idée-là. Cette personne. Ouais. Vous allez sortir ensemble ? Comment ça se passe au début ? Bon, très bien. C'est parfait, c'est idéal. Je suis dans un rêve, quoi. Avant la première violence physique, il va y avoir une phase d'emprise psychologique. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de ce qui se passe, au fond ? Ben, l'emprise psychologique, moi, je la vois parce que il me donne des conseils sur mes fréquentations, par exemple. C'est-à-dire ? Certaines, surtout des copains, qui ne trouvent pas très bien pour moi. Quoi. Ils me feraient du mal si je continuais à les voir. D'accord. Donc ils se présentent comme un conseiller ? Comme un conseiller, oui. Qui est là pour vous protéger, voilà. Et qui fait le tri dans votre entourage. C'est ça. Donc très vite, je me retrouve avec une copine, la seule qui ait encore le droit de venir en contact avec moi. Mais vous le faites à ce moment-là, consentante ? Oui, j'ai besoin que de lui. Comme un amour d'adolescent où on pense que la fusion est la solution. Donc c'est ça, c'est quand on parle d'emprise psychologique, on va voir que c'est dans les deux sens. Au fond, c'est quelque chose que vous fabriquez ensemble, où d'un coup le reste du monde n'existe pas. Voilà. Et donc, ce sera un terrain favorable pour ce qui va se passer. Oui. Il vous veut impeccable. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ah, il me veut parfaite. Il veut que je sois, que je dégage une image qui soit valorisante pour lui.
Bah, par exemple, la phrase « je te veux impeccable », elle est sortie un jour où j'avais un col enfilé, à 19h le soir, et où on n'allait pas ressortir, et il m'a demandé d'aller le changer, et je lui ai dit « non, je ne vais pas user un collant pour, parce que je ne vais pas en avoir besoin après ». Et c'est là où il m'a dit « je veux une femme impeccable ». Et donc là, ça voulait dire beaucoup de choses pour moi, parce que moi, ce que je voulais, c'est être aimable. Au sens étymologique. Au sens étymologique. Aimable, ça veut dire qu'on m'aime. Ouais. C'était ça, ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un homme et pour qu'il nous aime toute sa vie ? Et bah, peut-être que ça passait par là, je ne savais pas ce que c'était. Mmh. Mmh. Ça va commencer à se tendre, parce que vous êtes contacté. Alors, je fais le geste, mais il n'y a pas le SMS. Non, pas encore. Vous êtes contacté par un ex. Oui. Donc, quelque chose qui arrive. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, je panique totalement. Et il n'a besoin de rien me dire. C'est-à-dire que le téléphone sonne, je décroche, et là, c'est la panique. Là, je savais que j'allais être accusée comme si c'était moi qui avais passé ce coup de fil ou qui avait été cherchée, quoi. Donc j'ai hurlé au téléphone en disant « ne me rappelle jamais » et tout. Et j'ai raccroché et je me suis excusée immédiatement de cet appel. Et, ça nous dit quoi, cette anecdote ? Ça nous dit que déjà, je suis sous emprise. Hein. C'est l'autocensure. C'est l'autocensure. C'est ça aussi être impeccable. C'est savoir avant l'autre. Anticiper. Ses besoins. Oui, c'est ça être impeccable. Il va y avoir un réveillon de jour de l'an, auquel lui, il ne souhaite pas partir, mais vous, ouais. Vous y allez. J'y vais parce que je me suis engagée et que lui, au dernier moment, n'a pas envie d'y aller. Et que moi, je ne peux pas laisser mes amis seuls. Donc, je pars, je ne me pose pas trop de questions, ça me paraît complètement normal. Et en fait, lorsque je rentre dans la nuit, sur ma porte de la chambre, il y avait une feuille... de coller sur ma porte avec marqué le mot « salope ». Donc là, j'ai compris que j'allais payer cher mon nouvel an. Vous dites quoi à ce moment-là, quand vous voyez ça ? Je me dis « j'ai été trop loin ». Ouais. J'ai été... C'est-à-dire ouais. Qu'à cet instant précis, vous pensez que c'est vous qui avez fait quelque chose là, comme ça ? Toujours. Parce que ce qu'on retient de cette période-là, ouais. qui démarre, au fond, avant la violence physique, ouais. et ce qu'on appelle l'emprise psychologique, ouais. c'est cette idée que, finalement, c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Oui. Je ne sais pas me faire aimer. C'est ce qu'il commence à me dire. Il me disait, vu le caractère que tu as, il n'y a plus moi qui peux te supporter. Personne ne te supportera. Donc ça, c'est une injonction. Oui. Et il va venir habiter chez vous et chez vos parents. Mes parents l'adorent. Ma famille l'adore. Les voisins l'adorent. C'est la perle rare. C'est-à-dire ? Bah, il est serviable, il est sympa. Il aide tout le monde. Donc, il est sympa pour les autres. Il joue avec les enfants, voilà, il joue au ballon, il est sympa pour les autres, il est sympa pour mes parents, il est sympa aussi pour moi, hein, parce que du coup, j'aime bien l'image qu'il renvoie. C'est-à-dire que vous donnez la sensation à vos parents que vous avez choisi quelqu'un de bien. Oui. Pendant 8 mois, Mathieu est possessif et insultant. Rachel ne dit rien, elle l'aime, et ne peut imaginer la violence qui sommeille encore chez cet homme. Mais bientôt, un événement va déstabiliser ce fragile équilibre. À 18 ans, Rachel est enceinte, Mathieu devient incontrôlable. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu une grosse émotion qui m'est arrivée. Une émotion de peur, au fond de moi. Parce que là, j'ai senti que là, j'étais liée, peut-être que j'allais trop loin avec lui. La question c'est, on le garde pas. Et là, il ne me répond pas. Il se rentre dans un mutisme total. Il part se coucher et pendant une semaine, il ne m'a pas parlé. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Je me dis que je suis mauvaise, déjà. Mais je me dis surtout qu'il faut que je prenne une décision. Et que je ne peux pas compter sur lui. Évidemment, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à quelques-uns de ma famille, à ma grand-mère. Ils m'ont tous encouragée en me disant... que j'étais capable. En tout cas, que si j'en avais envie, j'étais capable. D'élever un enfant. Voilà. C'était ma grande question. Et donc, vous lui dites, voilà, ben, j'ai décidé de le garder. Oui. Quelle est sa réaction ? Moi, je croyais qu'il allait me sauter dans les bras et en fait, il s'est levé, il m'a mis une claque. En me disant que c'était pour les doutes que j'avais émis et d'avoir fait souffrir moi et notre enfant. Là, je me dis, je la trouve pas juste du tout, hein, cette claque. Mais c'est trop tard.
ma décision est prise. Et là, je me dis, ah mince, peut-être t'es pris au piège, t'es prise au piège là. Vous le pensez à ce moment-là? Oui, je le pense. Alors, il va s'excuser pour cette claque? Oui, bien sûr. Parce qu'il s'excuse à chaque fois. Les mots, c'est quoi? Mais c'est que ça a été trop loin, évidemment. Il ne voulait pas me mettre cette claque, mais que tellement il souffrait et que si je ne l'avais pas fait autant souffrir, j'aurais pas eu de claque. Quoi. Donc c'est vous qui recevez une claque, mais c'est lui la victime. Voilà. Comment se passent les premiers mois de grossesse? En fait, rien ne se passe comme je prévois. Je vais de désillusion en désillusion. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il se déplace donc une fois avec moi chez le gynécologue, puis après c'est terminé. Après, c'est pas son truc, il a pas envie. C'est ce truc de bonne femme, il a pas besoin d'être là. Je suis souvent seule. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, lorsque je vais dans ma famille, il ne vient plus, en me faisant culpabiliser évidemment d'y aller. Il me contrôle ce que je mange pour pas trop je grossisse pendant ma grossesse. Il contrôle vos fréquentations. Mes fréquentations, mes vêtements, mes sorties, mes horaires. Alors vos horaires, par exemple, ça veut dire quoi? Mes horaires, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais au lycée, donc lorsque j'avais 10 minutes de retard, c'était que forcément, j'avais quelqu'un d'autre, même enceinte. Donc c'est de la jalousie, à l'état pur. Je ne peux pas aller boire un verre en ville avec des copines parce qu'une femme bien et enceinte ne va pas boire un verre dans un bar. Donc il a un avis sur tout, il n'y a qu'un avis qui compte, c'est le sien. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous vous laissez à ce moment-là contrôler? Toujours parce que j'ai un manque de confiance en moi vraiment énorme et que je pense que personne ne pourrait m'aimer, quoi. Donc en fait, juste lui, il me le dit, il est là pour m'apprendre. Il me dresse. Il dit ces mots? À quel moment ça s'empire? Parce qu'il va y avoir des insultes? Ouais. Et de la violence physique? Petit à petit, c'est vrai que pendant la grossesse, de la première claque, on est passé vite à deux claques, puis un coup de poing, puis plusieurs. Quel est le prétexte à chaque fois? Le prétexte, c'est souvent, problème d'horaire, je parle mal souvent aussi. Je dis des mots plus haut que l'autre. Quand vous vous rebellez, contre ça, c'est que vous parlez mal. Et, et ça, il l'utilise. Il me dit, quoi? Tu te rebelles. Et tu sais ce qu'on fait à quelqu'un qui se rebelle? Et c'est vraiment, il me met à terre comme un chien, quoi. Il ne faut plus qu'il voit rien dans les yeux pour qu'il arrête. Vous dites rien, c'est-à-dire rien de... Rien. Rien de... Pas de vie. Plus de pitié, plus rien, il ne faut plus rien. Il ne faut plus rien dans les yeux, il faut que ce soit éteint pour que ça s'arrête. C'est ce que vous ressentez au fond. Ouais. Ce que vous le dites aujourd'hui, vos mots d'aujourd'hui. Mais instinctivement, pour pouvoir cesser les violences, il faut qu'il ne puisse plus interpréter un regard. Voilà, c'est ça. Comme si j'étais morte. Les violences se répètent et Rachel les subit sans rien dire à personne, persuadée que c'est elle la fautive. Le silence règne en maître jusqu'à ce jour où dans les vestiaires de leur cours de danse, une amie découvre les marques des coups qui constellent le corps de Rachel. Elle l'incite alors à se confier. J'en parle à ma prof de danse, qui me voit arriver en cours de danse en fait avec des bleus. Et elle m'a dit, mais c'est grave, faut en parler à tes parents. Je dis, si j'en parle à mes parents, tu te rends compte qu'ils vont penser de moi, je suis enceinte, je peux pas. Et donc elle m'a demandé si elle pouvait leur en parler et je l'ai laissé faire. Et mes parents sont tombés vraiment de haut, quoi. Ils se rendent compte qu'eux aussi sont manipulés. C'est-à-dire? En fait, Mathieu leur disait souvent que j'étais insupportable. Qu'il ne savait pas ce que j'avais, que je piquais des crises et tout. Et que du coup, il était obligé de me serrer très fort pour me calmer. Et mes parents disaient, on sait. Parce que je pouvais me mettre en colère, C'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est que vous aviez un fort caractère. Personne ne pouvait imaginer que vous tombiez sous emprise. Personne, j'étais la dernière personne où on pouvait s'imaginer que je puisse me laisser faire à ce moment-là. Et vous, au fond, vous avez toujours entendu que vous aviez un fort caractère, donc vous avez dans l'esprit que ce qui vous arrive est normal. Oui, exactement. Et un fort caractère et un mauvais caractère, un sale caractère, c'est souvent ce que j'entends. Et donc, du coup, peut-être que les gens qui ont un mauvais caractère, pour qu'ils aient un meilleur caractère et qu'ils soient vivables,
bah, c'est comme ça qu'on les traite. C'est ça ce que vous, c'est ce que vous pensez à l'époque. Ouais. Ouais. À 7 mois de grossesse, il va vous briser la mâchoire. Mmh. Je rentre de l'école, bien enceinte, fatiguée. Et en fait, ce soir-là, je rentre dans la maison et mes parents n'étaient pas là. Je sens sa présence, mais je ne le vois pas. Et là, je me dis, il y a un truc. Je sens une tension, quelque chose. Et donc, je l'appelle et il ne me répond pas. Et là, il ressort de derrière moi en riant. Il avait bu et il me faisait danser. Voilà, il avait bu, quoi. Et moi, je rentrais de l'école, je dis non, ça va, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de rigoler, tout ça. Et le téléphone sonne. Et le téléphone sonne et c'est un client de mes parents. Donc du coup, je réponds poliment et lui rit à côté toujours et parle fort et voilà. Donc je lui fais signe, je lui tapote sur la jambe, je lui fais signe avec le doigt de baisser le ton. Et alors là, bah, du coup, en fait, pour lui, je l'ai frappé. Donc il m'a boxé, quoi. Très clairement, il m'a attrapé, le téléphone a volé, etc. Et j'ai réussi à m'échapper, en fait, de la maison. Je suis partie en courant vers le centre-ville. Et j'ai vu que la salle de danse était allumée. Donc je suis allée vers là. Et donc, arrivé là, il est rentré, même si les filles me protégeaient et que, bah, il a réussi à m'atteindre. Et il y avait une réunion, en fait, en face de cette salle de danse des commerçants. Il y avait le médecin du village qui était présent et qui est sorti tout de suite. Ils sont sortis pour essayer de le maîtriser et tout. Et à ce moment-là, en fait, il leur a échappé. Il est venu, il m'a mis un coup de poing dans tout le monde. Et ma mâchoire a volé, quoi. Donc, devant témoin. Devant témoin. Lui est emmené en garde à vue, moi je passe ma nuit à l'hôpital et je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, disons, Rachel, va falloir vraiment, vraiment te calmer parce que, encore une fois, tu l'as sorti hors de toi, quoi. Enfin, c'est vous accusez, vous. Ouais, je m'accuse, moi, ouais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ben, je suis allée à la gendarmerie puisque... En sortie de l'hôpital, c'est ce qui m'a été conseillé de faire. Est-ce que vous portez plainte ? Non. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que je ne savais pas que je vivais de la violence conjugale. Je pensais que j'étais coupable et que si je ne l'embêtais pas, il ne m'aurait jamais frappée. Et puis je me dis que peut-être lui aussi, ça l'a dépassé. Et que peut-être... Enfin, moi, s'il m'arrivait de faire une erreur pareille, je me remettrais tout de suite en question une nuit au poste et mes idées sont remises très clairement. Donc je me mets à sa place et je me dis que sans doute c'est pour lui c'est pareil. Ça a été tellement loin qu'il va réaliser quelque chose qui cloche, voilà. Et tout va rentrer dans l'ordre. Et puis aussi parce que on m'a demandé juste est-ce que madame vous voulez porter plainte ? J'ai dit non. Et les gendarmes se sont regardés avec un regard genre évidemment. Et de toute façon ils étaient convaincus que même si je déposais une plainte je la retirerais puisqu'une femme retire toujours sa plainte. J'aurais aimé à ce moment-là être informée de ce que je vivais. C'est-à-dire qu'on vous dise, vous savez que vous êtes en train de vivre de la violence conjugale, et ça existe, ça ne va pas, vous n'êtes pas la seule sur Terre. À ce moment-là, vous pensez que c'est votre situation, elle est unique et que personne ne peut la comprendre. Et si on m'avait dit, c'est normal, vous culpabilisez, vous pensez que vous avez tort là. Mais ça, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est des choses aujourd'hui qu'on dit à des femmes battues. Et à ce moment-là, vous ne savez pas très bien ce qui est en train de se passer, personne ne vous le dit. Mmh. Vos parents vont quand même le mettre dehors à ce moment-là. Oui. Vous l'aidez à trouver un studio. Oui. Et vous allez vivre avec lui. Voilà. Petit à petit, je retourne avec lui, je porte son enfant, j'ai envie d'y croire, il s'excuse à nouveau. Il dit quoi quand il s'excuse après quelque chose comme ça ? Il est plein d'amour à ce moment-là. C'est les seuls moments où il me serre vraiment dans ses bras, où il m'embrasse vraiment. C'est les seuls moments où il est heureux, où il me serre dans ses... Vraiment, quand il me voit arriver, je vois sur son visage le sourire, le machin, il me serre. C'est cet amour-là que je veux, moi. C'est ça, c'est comme ça que je l'aime, lui. Et donc, à chaque fois qu'il s'excuse, je me dis, ça y est, il a compris. Je me dis, on discute, on trouve des consensus. C'est-à-dire, mais tu sais, ce que tu es en train de me faire... ce qui se passe entre nous, c'est peut-être de la violence conjugale. Mais non, Rachel, une femme battue, c'est battue tous les jours. Toi, c'est que de temps en temps. C'est ce qu'il me dit, j'ai tort, mais... Enfin, j'aurais pas dû faire ça. Mais tu comprends que si j'ai fait ça, c'est parce que tu fais ça aussi, donc... Toi aussi, t'as à t'améliorer, surtout toi d'ailleurs, parce que si tu faisais pas ça, moi, je
je ferais pas ça. Donc la manipulation reprend. Voilà, la manipulation reprend. Et puis finalement, si je commençais pas, il se passerait rien finalement. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, pendant cette période, vous voyez une émission à la télévision, présentée par Jean-Luc Delarue. Et dans cette émission, on parle des femmes battues. Il est en train de dormir à vos côtés, vous êtes sur le canapé, et vous entendez quoi? Vous vous dites quoi? Je me dis, oh là là, c'est incroyable ce qu'elles racontent, ces femmes-là. C'est ce que je vis. Que tout ce qu'elles racontent, ben, c'est pas que des coups. Et c'est ça de la violence conjugale. La violence psychologique et le harcèlement. Voilà. C'est comme si on mettait le nom sur une maladie, en fait. Les mots de ces femmes résonnent profondément en Rachel. L'émission agit comme un miroir et elle comprend brutalement qu'elle aussi, elle est victime de violences conjugales et que jamais son homme ne changera. Quelques jours avant l'accouchement, cette intuition se confirme. En fait, 5 jours avant d'accoucher, j'ai été passer un dernier examen pour savoir, parce que comme le bébé était en siège, il fallait que je passe une radio de contrôle. Et ce matin, le matin-là, donc je me lève, je savais qu'il ne viendrait pas avec moi, et je lui annonce que je ne rentrerai pas tout de suite après l'hôpital, que j'avais une copine qui venait d'accoucher dans cette même hôpital et que je passerais donc la voir dans sa chambre juste après, voir le bébé. Et donc, il n'a pas voulu que je sorte de la maison. Quels arguments il donne? Parce que quand vous le dites comme ça, j'ai une copine qui vient d'accoucher, je vais la voir. Comment il fait pour placer de la jalousie là-dedans? Non, mais une femme respectable, ça ne traîne pas. Puis est-ce que tu vas voir vraiment une copine, quoi? C'est ça. Donc il y a une suspicion permanente. Voilà, c'est ouais. Donc ce matin-là, il ferme la porte à clé et je reçois des coups. Je reçois des coups jusqu'à ce qu'il ait décidé que ce soit assez. Je sors donc et je sais que je reviens pas. Quand je sors. Je sais que je ne reviens pas, que je vais partir chez mes parents juste après. Quoi. Le problème, c'est qu'arrivée à l'hôpital pour passer cet examen, j'étais en retard, une bonne demi-heure. Je me suis fait bien rouspéter par la secrétaire médicale. Quoi. Donc, double culpabilité, je me sentais mal. Vous venez de recevoir des coups, ça vous met en retard et vous sentez coupable d'être en retard. Voilà, bah oui. Donc, vraiment, je suis nulle sur tous les plans. Et vous n'en parlez pas, évidemment. Bah non. Et j'ai peur à ce moment-là qu'on m'enlève mon bébé si je dis que je suis battue. C'est important, ça. C'est important. C'est-à-dire que vous n'en parliez déjà pas. Mmh. Et là, vous avez la sensation que si vous parlez de ce que vous êtes en train de vivre, on va vous enlever cet enfant. Donc vous avez une raison supplémentaire et suprême de ne pas le dire. Mmh. Il y a l'accouchement. Il est présent. Il est présent le jour de l'accouchement. Enfin, à l'hôpital, et ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas de fait de déclaration préalable à la mairie, donc que l'enfant porterait mon nom. Et alors là, du coup, il a fait un scandale dans l'hôpital, il a remué ciel et terre pour que l'enfant porte son nom, quoi. Alors que ça pouvait très bien se faire quelques jours après, c'était pas un problème. Mais c'était là maintenant tout de suite. Donc le moment va te gâcher? Le moment va te gâcher, oui. Et puis, vous rentrez avec cet enfant, vous allez où du coup? Je pars chez mes parents. Le prétexte est quoi? Prétexte, déjà qu'il faut que je me repose. Je viens d'avoir une césarienne. Il faut que je me repose beaucoup. Et puis, il y a des travaux dans l'appartement dans lequel on est. Donc, c'est pas bon pour moi, pas bon pour le bébé, surtout les odeurs de peinture, tout ça. Au bout de 15 jours, il vient me chercher. J'ai pas envie de repartir du tout. J'ai très peur de lui. Et je me demande si maintenant, les coups vont pas déraper et pouvoir être mortel, puisque j'ai mis notre enfant au monde et que je me sens plus utile du tout. Donc, à ce moment-là, la menace devient mortelle pour vous. Oui. Vous rentrez quand même avec lui? Je rentre quand même avec lui. Vos parents réagissent comment? C'est horrible pour eux. Normalement, quand elle m'en parle, elle se souvient très bien de ce moment et ça a été vraiment affreux. Ouais. Et donc, vous repartez à contre-cœur. Vous tenez combien de temps avant de le quitter? 15 jours. Ces 15 jours-là sont affreux. Je suis enfermée à la maison. J'ai pas le droit de sortir avec mon enfant. J'ai le droit de sortir, mais que dans les commerces de proximité. Chaque trajet est calculé. J'avais envie d'aller la montrer à mes copines de classe. Ça m'est totalement interdit. Là aussi, qu'est-ce qui prétexte?
Alors là, il me dit qu'il n'a pas envie que tout le monde regarde notre enfant et mais le touche et il trouve ça sale, quoi. Et à ce moment-là, quand il vous donne des arguments, puisque vous lui avez souvent donné raison dans votre fort intérieur, à ce moment-là, vous continuez de penser que ce qu'il dit tient la route ? Non, là, je me sens prise au piège, je ne peux pas agir. Donc vous ouvrez les yeux. Au bout de 15 jours, j'ai une amie qui m'aide à partir. C'est quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps et que j'ai croisé quelques mois avant et à qui je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai parlé. Et, juste que pour que je comprenne, pourquoi vous n'en parliez pas avant de tout ça ? C'était la honte. J'avais honte d'en parler de ce que je vivais. J'étais dans un couple, quoi. J'étais enceinte. J'avais pas envie qu'on me mette une étiquette de fille miséreuse. Donc c'est ça, c'est que vous êtes victime, vous subissez l'enfer, mais vous n'en parlez pas pour pas qu'on vous juge. Voilà. Donc vous en parlez à cette copine et elle vous aide à partir. Oui. Elle monte un stratagème. C'est-à-dire que elle a sympathisé déjà avec lui et puis elle lui a demandé si le lendemain je pouvais venir chez elle avec le bébé, puisque c'était question de sortir surtout avec le bébé. Et il était tellement content qu'une copine à moi vienne lui demander la permission. Enfin, elle avait compris les choses. Et il a dit oui. Et donc je suis partie le lendemain avec mon bébé et puis le minimum, et dans le but de jamais revenir, quoi. Et alors, vous allez où et avec quel sentiment ? Alors là, je pars chez mes parents avec un sentiment de soulagement, parce que là, et je sais que je ne reviendrai pas, et que si je reviens là, là, ce serait la fin. Et d'abord, il appelle ma copine, évidemment, elle va dire, en fait, elle est partie chez ses parents, quoi. Et donc, il a appelé plusieurs fois, il est venu chez mes parents, et il a essayé de me convaincre de revenir, quoi. Je suis pas repartie et il est reparti comme il est venu, quoi. Parce que là, vous lui expliquez quoi ? Moi, je lui parle pas. C'est mon père qui lui parle. Qui lui dit que vraiment, c'est trop violent, quoi. C'est pas possible, quoi. Il lui demande de me laisser du temps pour faire le point. Rachel est allée trop loin dans la douleur. Elle ne reviendra plus. Au fond d'elle-même, elle en est convaincue. Mais consciente qu'un enfant a besoin d'un père, elle accepte que Mathieu voie sa fille de temps en temps. Pour le jeune homme, cela ne suffit pas. Et le 8 mai 1997, il commet l'irréparable. Il fallait que je revienne pour lui. Tous les moyens étaient bons. Et ce jour-là, en fait, donc normalement, il devait l'avoir le lendemain. Et là, il m'appelle la veille, donc ce fameux 8 mai, en me disant « Écoute, je dois m'absenter, je dois partir voir mes parents absolument, c'est urgent. Donc je pars demain matin, donc je vais pas pouvoir voir la petite. Donc je viens ce soir, juste la voir une heure. Ok, d'accord. » Là, vous y croyez ? Oui, j'y crois. Vous ne savez pas qu'il est en train de préparer un enlèvement ? Ouais. C'est-à-dire qu'il vient la chercher en me disant « Je vais me promener avec elle pendant une heure. » Sauf que l'heure passe et qu'elle revient pas. Donc j'appelle et en fait il me dit mais non, tu la reverras pas si tu reviens pas avec moi. Là, mon cœur, c'est comme si on m'arrachait le cœur à vif. Et le dilemme est terrible. Le dilemme était terrible. Je savais très bien que là j'y laisserais ma peau, quoi qu'il arrive. Vous mettez un mois pour récupérer votre petite fille. Oui, on a fait une demande en référé et le temps que le jugement se fasse, je mets un mois à récupérer mon bébé. C'est les policiers qui vont récupérer bébé à 6h du matin chez lui. Elle l'a caché. Et en fait, une policière m'a dit qu'ils allaient partir. Et à un moment donné, elle a vu dans le lit que ça bougeait. Et ça bougeait sous la couette. Et en fait, il l'avait caché sous la couette. Il aurait pu la tuer. La justice fait désormais barrage. Mathieu ne pourra plus revoir sa fille que dans un centre social et avec un temps limité. Ce jugement sera lourd de conséquences. Mathieu harcèle Rachel durant 2 années. La jeune femme porte plainte à 13 reprises. Elle a peur pour sa vie et souscrit même à 2 assurances. Pourtant, au milieu de cette violence incessante et grâce à un travail acharné, Rachel parvient à obtenir son bac. Malgré cette éclaircie, la vie de Rachel bascule à nouveau le 6 mars 1999. Débarque à 2h du matin. Moi, je suis dans ma chambre à ce moment-là, je dors. J'entends mes parents parler et dire non, c'est pas possible, on peut pas venir voir un enfant avec une arme dans les mains. J'entends ça.
Parce que j'entends, je veux voir ma fille, je veux voir ma fille, je veux voir ma fille. Et mon père dit non, c'est, pose cette arme, on va discuter. C'est ça que j'entends de là-haut, de là où je comprends. Et tout de suite après, j'entends ma mère hurler le prénom de mon père. Et en disant, tu l'as tué, tu l'as tué. Et là, je comprends que là, c'est grave. Il se passe des choses en bas. Cette nuit-là, je dormais avec mon bébé parce qu'elle avait eu du mal à s'endormir. Et je me Elle a deux ans. Elle a deux ans. Et donc, je laisse mon enfant dans le lit et je descends. Et là, je vois mon père à terre et ma mère en train d'être battue, quoi. Et lui en train de lui dire qu'elle va crever, quoi. Donc, pour que ça s'arrête tout de suite, je l'appelle. Je lui dis, viens, on va discuter. Et donc, il monte à l'étage avec moi. Sauf qu'arrivé à l'étage, il monte avec son arme. Et j'avais le bébé dans les bras et il était en face de moi. Et il a rechargé là. Enfin, il a refermé l'arme. Et il l'a pointé vers moi. Pour moi, j'allais mourir, quoi. Donc, j'ai posé mon enfant derrière moi et j'ai attendu de mourir. Sauf que le coup n'est jamais parti. L'arme s'est enrayée. C'est-à-dire qu'il a tiré sur la gâchette. Il a tiré. Il ne comprend pas. Il l'ouvre, il referme, il l'ouvre, il referme. Et là, moi, intérieurement, j'entends « bats-toi ». Et là, j'y vais, quoi. J'attrape des choses dans la chambre. J'essaye de l'assommer. Je ne sais pas ce que je fais. Mais en tout cas, je sais qu'il faut que je me batte. Il faut que je ressente vivante de là. C'était très violent. Ça s'est arrêté parce qu'il m'a étranglée, en fait, et que j'ai perdu connaissance. Et là, pareil, en fait, quand je suis revenue à moi, j'étais donc dehors, puisque j'avais sauté par une fenêtre. Et en fait, au départ, je me suis dit, oh, j'ai fait un cauchemar horrible. Je vais me lever, là, je vais aller embrasser mes parents et leur dire que je les aime de tout mon cœur. Et en fait, j'ai vu que je rêvais pas. Quand j'ai senti l'herbe mouillée sous mes doigts, et là, je me suis dit, oups là, avant d'ouvrir les yeux, prends conscience que peut-être il est encore là et dans le coin et qu'il attend de t'achever, quoi. Donc je me suis réveillée dans ce contexte-là et avec la tête complètement ouverte et tout. Donc j'ai rampé jusqu'à chez mes voisins et ils ont réussi à me sauver. Comment vous allez vivre les années qui suivent ce drame ? Dans un espèce de déni. J'attends le procès d'assises impatiemment pour tourner la page. Je pars loin de chez moi. Avec ma fille, je construis quelque chose de nouveau. Je veux vivre. Je veux vivre coûte que coûte et vivre comme avant. Comme si rien ne s'était passé. Quel va être le verdict ? 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Je me dis, j'ai 20 ans de sursis. J'ai 20 ans pour me reconstruire. En septembre 2003, cela fait 5 ans que le père de Rachel est mort, assassiné par Mathieu. La jeune femme retrouve très lentement le chemin de la vie. Elle est encore sous le choc, mais décide de se prendre en main. Donc déjà, la première chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, là, je m'octroie le droit de ne rien faire, de me poser. Et d'aller mal. Et d'aller mal. Le droit d'aller mal. Le droit d'aller mal. Le droit de souffrir. La reconstruction va passer par quoi ? Par d'abord un changement de travail. Je décide de devenir comédienne. Ce qui était un rêve d'enfant que vous aviez enfoui. Ouais. Et ce théâtre a été très important dans votre reconstruction. Ouais. Parce que vous avez décidé d'écrire un spectacle de transmission, de pédagogie. Ouais. Où vous racontez ce drame. Ouais. Et on va en parler tout à l'heure parce que vous avez choisi de ne pas le jouer pour ne pas jouer tous les soirs. Voilà. Ces émotions. Pour passer à autre chose, pour mettre une distance avec cette histoire et surtout pour le livrer aux autres, pour que cette histoire devienne universelle. Elle ne m'appartient plus. C'est l'histoire de toutes les femmes battues. Et c'est un fléau de société. C'est un fléau. Et pourquoi c'était important pour vous d'être dans cette transmission ? J'avais envie de donner du sens à toute cette histoire. J'avais envie que la mort de mon père devienne un peu moins absurde et qu'elle puisse aider d'autres. Il y a trop de femmes encore qui meurent chaque année et qui meurent alors qu'il y a des signes avant. Votre fille a 19 ans aujourd'hui. Oui. Comment est-ce qu'elle va ? 19 ans, c'est une période un peu dure. Elle fait le point sur ce qu'elle est. Et elle a pas mal de rejets par rapport à son histoire.
va falloir qu'elle accepte le scénario, elle aussi, de sa vie et les cartes qu'on lui a mis en main. Et je suis certaine qu'elle en fera quelque chose. Dans un instant, vous allez me présenter votre sœur, dont vous êtes très proche, qui a vécu tous ces épisodes. Oui. Et qui va nous dire si elle avait vu des signes et comment elle faisait pour vivre ces choses que vous cachiez. Et puis, quelqu'un qui est très important pour vous, parce que vous l'avez rencontré au théâtre, mais il se trouve qu'il est assistant social, et que lui connaît très très bien cette question des femmes battues, et il connaît ce mécanisme. Et il va nous dire comment on peut faire pour faire de la prévention. Exactement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, votre histoire ? Qu'en tout cas, c'est possible de vivre après ça. Et j'ai envie surtout que des femmes puissent se reconnaître et envisager, voilà, de pouvoir s'offrir une vie meilleure. Merci. Merci pour la confiance. À tout de suite, je vais les chercher. Mes invités comme Rachel aujourd'hui ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser toutes les épreuves. Pourtant, une question s'impose. Comment s'échappe-t-on du pire ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui entendre sa sœur et celui qui a écouté ses premiers mots de victime. Afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Une des premières choses moi, que j'ai apprises en travaillant avec les victimes de violences conjugales, c'est que la première demande, ça n'est pas de quitter son conjoint. La première demande, c'est que ça s'arrête. Quand il arrive une chose comme ça, on se dit, j'aurais dû dire qu'il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû le dire. Merci à tous les deux d'être là. Rachel, vous allez m'expliquer pourquoi ces personnes sont si importantes pour vous. Je viens de passer un moment très très particulier. Rachel a choisi de raconter son histoire particulière à laquelle on peut s'identifier, puisqu'elle raconte finalement quelque chose de malheureusement ordinaire. C'est un phénomène de société. On sait aujourd'hui que tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt des violences conjugales. Et Eric, je crois que vous êtes assistant social et vous connaissez bien cette question. Vous avez rencontré beaucoup de femmes qui vivaient la violence conjugale et vous allez nous expliquer quels sont les mécanismes, les signes avant-coureurs, les solutions pour faire de la prévention, parce que je sais que vous êtes là pour ça. Je vous laisse vous présenter votre petite sœur, en fait. Oui, c'est ma petite sœur. Pourquoi c'est important pour vous qu'elle soit là aujourd'hui ? Ben parce qu'elle fait partie de ma vie et qu'elle a traversé toute cette histoire avec moi. C'est elle aussi un dommage collatéral, enfin... En tout cas, ces blessures sont des dommages collatéraux. Voilà. Et donc, Eric, je vous laisse me le présenter. Eric, donc, c'est un ami à moi avec qui j'ai commencé à faire du théâtre au tout départ. Et puis, vu sa profession, on a beaucoup échangé sur moi, ma problématique, et lui, sa problématique aussi dans son travail. Assistant social. Assistant social. Mmh. Et puis, c'est donc avec Eric que j'ai commencé ma démarche pour comprendre ce fléau. Et puis de résilience pour essayer de fabriquer autre chose. Et se reconstruire. Oui. Donc Maud, vous avez fait connaissance avec cet homme. Ça. Quelle est la première image que vous avez de lui ? Parce que ce que dit Rachel, c'est qu'au début, tout le monde le trouve sympathique, ce garçon. C'est vrai, c'est un bel homme. Il est grand, il est imposant. Enfin, c'est un bel homme. Et puis souriant, enfin voilà, c'est... Très serviable, d'après ce que dit Rachel oui, au départ. Oui, oui. Ouais. Et vous aviez une petite méfiance, alors qu'est-ce qui provoquait de la méfiance chez vous ? Il était très, très imposant, il était là, il était charismatique. Voilà, charismatique, mais du coup, pas posé dans la vie, pas stable. Il n'avait pas un travail stable, par exemple. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas vraiment de domicile, donc voilà. Rachel raconte comment au début, et on va le voir effectivement avec Eric, parce que finalement ça se passe systématiquement comme ça, il y a une sorte de fusion, un couple fusionnel, et donc une forme de préparation psychologique à ce qui va se passer ensuite. Et vous, est-ce que vous voyez des comportements qui changent en fait ? Est-ce que vous la voyez avec une personnalité qui s'efface un petit peu, avec des fréquentations qui changent ? Vous observez ça de l'extérieur à l'époque ? Ah oui, bah oui. Rachel qui est quelqu'un qui sort beaucoup, qui fait beaucoup la fête, commence petit à petit à refuser de sortir, à rester avec lui ou à s'inquiéter de savoir s'il est d'accord ou pas. Enfin, c'était vraiment... Vous sentez que son avis compte beaucoup ? On sent qu'il commence à prendre beaucoup de place dans l'espace de Rachel. Je crois que vous avez le souvenir d'un repas de famille, c'est à Pâques, où lui n'est pas là ce jour-là. Et alors votre sœur, qui est amoureuse, vous la sentez presque anormalement perturbée. Totalement anormalement. Elle voulait absolument rentrer. Elle ne voulait pas être là, elle ne voulait pas être avec nous, elle voulait être avec lui.
Mmh. Et c'était, c'était terrible parce que du coup, c'est, on s'est assez fâchés presque toute la journée avec, avec mes parents. Enfin, ça a été, c'était un repas de famille qui n'était pas heureux. Là, on ressent que elle n'a pas envie d'être avec nous. Mmh. Et c'est un peu, c'est terrible. Et vous, Eric, qui avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, mmh, qui étaient dans cette situation, vous reconnaissez ces signes-là? Finalement, ah, le schéma, on dit manipulation psychologique, mais de votre conception des choses, finalement, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est une relation, c'est une dynamique relationnelle. Il y en a un qui répond aux attentes de l'autre. C'est voilà, quelqu'un qui tombe sur une personne qui va lui dire tout ce que tu veux, je peux te le donner. C'est pas je te le donne, c'est je peux te le donner. Et du coup, ce que vous disiez, Rachel, c'est qu'il y a la sensation que lui seul peut subvenir à vos besoins, mmh, affectifs, mmh, et il fait le tri autour de vous. Mmh. Ça, c'est quelque chose, mmh, qu'on observe aussi. On observe très, très fréquemment un isolement progressif parce qu'il y a un dénigrement. Dénigrement de l'entourage ? Surtout sur la famille et l'entourage. C'est surtout les deux cercles qui sont dénigrés le plus rapidement possible. Vous vous rappelez de cette phase-là ? Ah moi, oui, oui. Des amis, par exemple ? Ah oui, oui. Le repas de Pâques en fait partie. Hein. Le repas de Pâques en fait partie. C'est-à-dire ? Voilà. Bah, qu'en fait, ce jour-là, normalement, il aurait dû être là. Et au dernier moment, comme d'habitude, il décide de ne pas venir parce que, pour des raisons qui lui appartiennent. Et en fait, moi, j'étais vraiment très malheureuse. C'était la première fois que j'allais chez ma grand-mère avec lui annoncer que j'étais enceinte, sans mon compagnon. Donc déjà, c'était difficile pour moi. Et ce jour-là, je me souviens que j'ai passé ma journée au téléphone et je voulais rentrer, quoi, parce que au téléphone, ce qui se passait, c'était qu'il me disait, ouais, tu me laisses tout seul, tout ça, quoi. Créer du manque dans les moments les plus importants pour l'autre. Et du coup, c'est vrai que là, y a un fossé qui s'est creusé entre ma famille et moi. À ce moment-là, je me suis dit, va falloir que je choisisse entre les deux, quoi. Parce qu'il exprime une forme de détresse. Ouais. Et donc, vous sentez, vous, ouais, responsable de cette détresse. Ah oui, et puis je suis responsable aussi de la détresse de ma famille qui dit, mais dis donc, tu prends pas le plaisir, on est tous ensemble là, et toi, tu es ailleurs, tu nous embêtes, là, à vouloir rentrer, parce que j'étais pressée, quoi. Et vous, Maud, vous vous rappelez de cette période-là, parce qu'on parle vraiment du début, où vous avez la sensation que les autres, donc la famille et vous, vous passez au second plan? Ah oui, bah oui, mmh, oui, totalement. Mmh. Y a, oui, il y a, y a Pâques, mais il y a eu le Nouvel An aussi, juste avant. Oui, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de moments où, en fait, il nous écartait. On sentait qu'on était plus là, quoi. Mmh. Il vivait chez nous, mais on n'avait pas notre place, en fait. D'accord. Et vous réagissez comment ? Oh, je me suis des fois mis en colère. Pas contre lui ? Pas contre lui, contre toi. Ouais. Parce que lui, en fait, je pense que j'en avais peur, moi aussi. Hein, parce qu'on sent, en fait, un peu... Côté imprévisible. Mais on s'est beaucoup fâché, ouais. Mmh. Ah, ouais, ça crée ça, ouais. Vous racontez qu'il y a une première claque. C'est après une semaine de réflexion, ouais, de savoir si vous devez ou pas garder cet enfant. Ouais. Et puis ça va s'enchaîner. Il va y en avoir plusieurs, des insultes, des coups. Et vous l'avez caché. Vous ne pouvez pas imaginer que votre sœur, dont vous connaissez le caractère, puisse être victime de violence. Non, on ne pense pas qu'elle puisse vivre ça, en fait. On se dit, de toute façon, elle ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Et c'est pas et son ça, genre. Ça, c'est pas possible, oui. C'est pas son genre. Mmh. Parce qu'il y a une sorte de personnalité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer quelqu'un de fragile, de faible. Or, elle a un fort caractère. On dit même qu'elle a un mauvais caractère. Ouais. Donc, pour vous, c'est quelqu'un qui sait se défendre. C'est ça. Et que du coup, bah voilà. Enfin, pour moi, si elle vivait ça, elle était capable de dire à la personne, stop, va-t'en, je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Mmh. Sauf que, si. Et donc Rachel raconte bien, évidemment, elle m'a bien raconté cette période où il n'est pas question d'en parler parce que c'est avouer une situation d'échec, finalement. Mmh. Et là aussi, est-ce que vous remarquez un mécanisme ? Le grand moteur de ces relations dangereuses, c'est la culpabilité. Coupable de quoi, finalement ? D'être là, de ne pas être là, d'être à la maison, de ne pas être à la maison, d'être avec leur famille, comme Rachel, mmh, et puis en même temps, de ne pas être avec son conjoint, d'être avec son conjoint, mais de ne pas être avec sa famille. Et ça se ressent, comme disait Maud, c'est la famille, l'entourage peut se mettre en colère parce qu'on ne comprend pas. Il y a une forme de déni. Non, ce n'est pas possible. Si Rachel, je suppose que la première fois que tu as raconté les claques que tu avais reçues ou les coups que tu avais pris, la première réaction instinctive, c'est « non, ce n'est pas possible ». Bah si, c'est possible. Et dans cette phrase « non, ce n'est pas possible », il y a déjà une forme de déni. Mm-hmm. On ne
peut pas reconnaître l'impensable. Donc que l'entourage ne le voit pas parce qu'il n'imagine pas de ce proche, ça c'est une chose. Et puis que cette personne vive ça et décide de ne pas en parler, de ne pas demander d'aide, parce qu'on suppose que c'est ce qu'il faudrait à ce moment-là, là aussi c'est quelque chose qu'on observe quasiment systématiquement. Très systématiquement, parce que ce sentiment de culpabilité engendre des stratégies pour le contourner, parce qu'il est insupportable. Donc on entretient des choses qui permettent d'essayer de reprendre le contrôle de sa vie. Et plus on essaye de prendre le contrôle de sa vie, moins on parle, parce qu'on veut s'en sortir tout seul. Mmh. Alors, à un moment donné, votre famille va prendre conscience des choses, parce que c'est très grave. Vous vous faites casser la mâchoire, vous êtes hospitalisé. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Comment... Vous vous rappelez de la manière dont on réagit? C'était terrible. Hein. c'est un truc... Enfin, ça nous est tombé dessus, quoi. Déjà, elle était enceinte, donc c'était... humainement, c'est pas possible que n'importe qui tape une femme enceinte, lui casse la mâchoire. Le ciel s'écroulait parce que là, fallait pas qu'on la laisse comme ça, quoi. Là, c'était plus possible. Et qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire à ce moment-là? Vous êtes très jeune, vous aussi. Mais c'est surtout mes parents, en fait, là, qui ont vraiment pris conscience du problème et qui ont actionné des choses pour qu'elle s'en sorte. Est-ce qu'à votre tour, vous êtes culpabilisé en disant j'aurais dû faire quelque chose? Ouais. Bah oui. Quand il arrive une chose comme ça, on se dit j'aurais dû dire qu'il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû le dire. Mmh. Et donc là aussi, quand les choses vont loin, on a la sensation que quand tout le monde réalise ce qui s'est passé, il y avait des indices, il y avait des choses évidentes, on ne voulait pas les voir et les choses auraient pu se passer autrement. C'est très souvent des choses qu'on ne remarque qu'après coup, quand on commence à y réfléchir. Quand on est en plein dedans, on ne voit pas ces choses-là. Mmh. Dans votre cas particulier, les choses vont aller très 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 loin, puisque ça va se terminer par un drame, par une tragédie. Cet homme va assassiner votre père. Et donc, Rachel disait que ça a été complètement irréel, puisque ça dépasse l'entendement. Et elle a mis de longues années avant de comprendre ce qui s'était passé, avant de réaliser, de penser que c'était un cauchemar, que quelque chose devait se produire, parce que ça n'était pas possible. Comment est-ce que vous avez vécu la période qui a suivi ça? Juste après le drame, moi j'aurais dit que c'était de la survie, en fait. On avance pour avancer, pour se dire que notre père, il n'est pas parti pour rien. Et on va au bout de nos projets. Moi, j'étais encore au lycée, donc je me suis dit, je vais avoir mon bac. Pas pour moi, hein. Moi, je m'en foutais un petit peu de mon bac, mais il fallait que j'aille pour lui. Il fallait avancer parce qu'elles avaient survécu et qu'il fallait avancer pour elles aussi. Enfin, voilà, c'est une période qui était... alors moi, personnellement, je pense que je m'en suis remis il y a une dizaine d'années, même pas. Mm-hmm. À mon mariage, je pense, à peu près. Et vous, Rachel, après quelque chose comme ça, il y avait la sensation que ce drame était arrivé à cause de vous. Vous avez traversé une période de culpabilité. Ah oui, oh que oui. Puis j'étais pas la seule à le dire. Hein. Non. On lui a mis de la culpabilité. Ouais, ouais. Hein. Ouais. On a perdu notre père, c'est parce que tu nous as ramené voilà. Cet homme. Ouais. Mm-hmm. C'est de ta faute, ouais. On l'a eu hein, sur cette période-là. Mais on a voulu. Ouais. C'est terrible, hein. Ouais, c'était la réaction qu'on a eue. Et il n'y a pas que nous, il y a plein de gens qui l'ont fait. Il fallait un coupable. On ne pouvait pas s'en prendre à lui, puisque lui, il était inatteignable. Donc vraiment, moi, j'ai été un peu, pour tout le monde, la coupable. Et chacun m'a donné cette culpabilité par des choses différentes. Mmh. Et pourtant, dans votre histoire, il y a quelque chose de très troublant. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'est que vous avez porté plainte 13 fois. Ouais. Donc, et il y avait des témoins, puisqu'au fond, il ne se contentait pas de faire ça en huis clos. Il a fait ça, à un moment donné, il y avait 20 personnes dans le village, dans la famille. Il est allé vous chercher dans le cours de danse. Il a kidnappé votre fille. Donc, tout le monde était au courant. Ouais. C'est quoi l'explication aujourd'hui? Comment c'est possible que finalement le drame soit arrivé? Moi, j'ai eu la sensation, quand j'ai traversé tout ça, qu'il n'y avait rien pour nous. On rentrait dans aucune case, en fait, pour nous aider. Et qu'il n'y avait pas d'outils, en fait. Il n'était pas suffisamment fou pour... il n'avait pas de pathologie pour le faire interner. Il ne faisait pas des choses suffisamment répréhensibles pour être enfermé en prison. C'est-à-dire que les menaces de mort n'étaient pas suffisantes? Non. Donc il n'a pas commis d'actes, donc on ne peut pas... Voilà.
Ça reste des menaces. Ça reste des menaces. Et en fait, le problème, c'est que c'était des jugements qui dépendaient de différentes cours. C'est sûr que tout mis à bout, bah, là, on aurait dû être protégé. Oui, et puis à chaque fois qu'il y avait une plainte, donc c'était traité par un tribunal différent, et à chaque fois, c'était du sursis, quoi. Mais effectivement, moi, au moment où je déposais la plainte, c'était pour qu'on nous aide, pour qu'on trouve une solution. Certaines femmes ne demandent pas d'aide, mais vous avez demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide, et je demandais de l'aide surtout pour lui, parce que moi, ça allait. Moi, j'allais continuer ma vie. Mais c'est lui, là, qui était en train de pourrir la sienne, et de pourrir la nôtre aussi. Et je voulais qu'on l'aide, lui. Ça vous surprend, cette situation ? Non, elle est malheureusement classique. Une des premières choses moi, que j'ai apprises en travaillant avec les victimes de violences conjugales, c'est que la première demande, ça n'est pas de quitter son conjoint. La première demande, c'est que ça s'arrête. Et Rachel était dans cette dynamique-là. Mmh. Elle voulait que ça s'arrête. Donc elle voulait qu'il change, que lui change. Et il faut du temps pour abandonner l'idée que le conjoint pourrait changer ou alors qu'on va réussir à le faire changer. Et quand, finalement, toujours dans ce souci de prévention, on conseille aux femmes de porter plainte, ce qui était le cas de Rachel. Est-ce que les choses ont évolué depuis ? Les choses évoluent, la loi évolue, on a étendu les violences conjugales aux gens qui n'étaient pas forcément mariés, qui n'étaient pas axés aux concubins, aux ex-concubins maintenant, depuis la loi de 2010. Les choses avancent. Il manque, à mon avis, encore un vrai processus de reconnaissance des violences psychologiques. Parce que je pense que 90% à peu près, alors ça c'est mon estimation personnelle, c'est pas un vrai chiffre, mais à peu près 90% des violences subies sont des violences invisibles. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de bleus. Déjà, quand il y a des coups, des traces et des bleus, c'est difficile de porter plainte, mais quand il n'y en a pas, on n'entend pas. On a besoin aujourd'hui de travailler plus en collaboration avec la police et avec la justice pour que, vraiment, puisqu'on parle d'un phénomène de santé publique, il faudrait pouvoir chiffrer ce que ça coûte en termes de prise en charge psychologique, de protection de l'enfance, de prise en charge des enfants, de soins, des conséquences de santé, de handicap, d'hébergement d'urgence. C'est un vrai phénomène de santé publique. Pour tous ceux qui ont une amie, une sœur, quelqu'un dont ils découvrent qu'elle est dans cette situation, comment on peut aider ? Être là, donner de l'information. Laisser la porte ouverte. C'est une question de choix. Je crois que dans cette dynamique relationnelle-là, ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est que la victime est en position d'objet. C'est mon conjoint et moi, mes enfants et moi, mes parents et moi, mon patron et moi. Elle se met toujours en deuxième place. Et donc, moi, en tant que travailleur social, je me dis que si je suis en face d'une femme qui a vie avec quelqu'un qui lui dit ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser, donc qui est en position d'objet. Si moi je lui dis « vous devez faire ci, vous devez faire ça », je la place elle-même dans position d'objet dans la relation avec moi. Donc je fais paradoxalement, en voulant l'aider, le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et la même chose que le bourreau. Avec les bonnes intentions. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc quoi faire ? C'est de replacer la personne en tant que sujet. C'est d'inverser le discours. Ce n'est pas les autres et moi, c'est moi et les autres. Donc, par exemple. Qu'est-ce que je veux, moi ? Par exemple. Par exemple, la phrase la plus courante, c'est « Pourquoi tu pars pas ?» C'est une phrase qui est spontanée, bienveillante et pleine de bonnes intentions. Alors que, finalement, la victime, quand on lui dit ça, on lui renvoie sa culpabilité. Donc, le premier piège, c'est d'essayer de ne pas trouver de solution. C'est de lui dire « Tu as tes propres solutions, tu es une personne à part entière. » Tu as le droit de définir ce qui est bien ou pas pour toi. Donc c'est replacer la personne en tant que sujet, qu'acteur de sa vie, de ses choix, les bons comme les mauvais. Parce que c'est en s'appuyant sur cette capacité à faire ses propres choix qu'on va pouvoir amener la personne à dire ben, « tiens, je peux en faire d'autres ». C'est une prise de conscience que voilà, dans sa relation, elle se met ou elle est en position d'objet de l'autre et qu'elle décide que ça s'arrête. Voilà, simplement il y a la peur à chaque fois. Il y a la peur. Ouais. Donc la peur des représailles... Elle est entretenue. Mmh. Elle est entretenue. Il y a la peur liée à sa propre culpabilité. Qu'est-ce que va dire ma famille ? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi ? Si je quitte mon mari qui est socialement à l'extérieur, a une très belle image. Donne le change. Qui donne le change, c'est moi qui vais passer pour la folle. C'est moi qui vais passer pour l'hystérique. Ça, c'est très compliqué, ça met beaucoup de temps.
Et s'il y a vraiment un conseil à donner, c'est vraiment de parler, de ne pas rester seul. Il y a des endroits où on peut parler, il y a des associations, il y a des assistants sociaux, il y a des services publics, il y a un numéro de téléphone national. Le 3919. Comment on peut appeler ce numéro et déjà être orienté. Voilà, et on peut déjà essayer de comprendre ce qui se passe dans sa relation aujourd'hui. Et puis savoir qu'il y a des gens qui vont vous écouter, qui ne vont pas vous juger. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, ces professionnels? Parce qu'on vient de dire qu'à un moment donné, personne n'a jamais rien fait pour Rachel. Donc là, aujourd'hui, maintenant que les choses avancent, et puisque vous êtes là pour donner de l'espoir et des solutions, le 3919, on peut être orienté vers quoi? Alors, vers des associations qui peuvent recueillir quelqu'un? Recueillir la parole, orienter vers un psychologue. Il y a des associations qui proposent des hébergements en urgence. La police peut aussi solliciter un juge pour demander une mesure de protection. Parce que souvent, il y a les enfants. Qu'il faut aussi protéger les enfants de cette situation-là. Et puis, ça ne se fait que sur la durée. Il y a des mesures de protection immédiates parce qu'il y a une notion de danger très forte. Mais pour la plupart des situations où il n'y a pas de violence physique, c'est l'ouverture à un dialogue avec quelqu'un de neutre et d'extérieur qui va permettre de faire cette prise de conscience et de prendre le temps. Et dans ces groupes de parole que vous avez créés, au fond, qu'est-ce qu'on y trouve ? Ben déjà, on se sent moins seul. Hein. On se sent moins seul et ces femmes, souvent, sont très solidaires les unes des autres hein, dans ces groupes de parole parce que voilà, elles n'ont plus personne sur qui compter la plupart du temps. Donc on se sent moins jugé déjà ? On ne se sent pas jugé. Et puis surtout, ça permet d'échanger et de repointer les anormalités. Parce que, ça redonne à nouveau des repères. Voilà, ouais, ça redonne des repères. C'est-à-dire et on déconstruit. On sort du piège, on voit d'autres êtres humains qui ont vécu la même chose, donc qui ne jugent pas. Ouais. Et qui, avec des récits parallèles, permettent de remettre les choses en perspective et de se rendre compte qu'on était dans une manipulation mentale et on avait perdu ses repères. C'est ça, en fait Et ça permet, du coup... Dans ces groupes de parole, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y en a qui en sortent vraiment très grandis, quoi. Avec des nouveaux projets, des... Et ces groupes de parole, les femmes viennent le voir quand elles ont réussi à quitter le bourreau ou des fois pendant? Eh bien, pendant aussi, Ça va les aider à partir? Pourquoi pas, ou en tout cas à le vivre. Alors, la parole, c'est important, la sensibilisation. Et puis, vous l'avez dit, au fond, le premier problème, c'est le déni. Alors, des proches qui ne voient rien, parce qu'encore une fois, tout ça est bien dissimulé par la victime et le bourreau. Et puis, la personne qui le vit le nie parce qu'elle ne veut pas le voir. Et à ce titre, finalement, vous avez écrit un spectacle. Vous avez décidé de ne pas jouer, parce que rejouer les mêmes émotions tous les soirs, ça pourrait être très dangereux. Et donc, on va voir un extrait, parce qu'au fond, rien que dans cet extrait, plein de femmes peuvent se reconnaître. Je suis une femme battue. 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 Battue, je vous dis. Vous savez pas ce que c'est, femme battue? Se faire cracher au visage. Être dans le mensonge. Ne pas réussir à partir. Se sentir détruite, dénigrée. Ne plus savoir où l'on est, où j'en suis. Des ronflements sont ceux d'un monstre qui va se réveiller. Ne me touche plus. Je suis pleine de peur. Je bouge moins. Je pars moins. Surtout, ne pas te contrarier, ne pas me plaindre, ne pas te poser de questions. Devenir transparente pour ne pas te déranger, ne pas t'énerver pour que tu ne me frappes plus. On ne frappe pas une transparente. Ça vous fait quoi, vous, de le revoir? Ça fait toujours bizarre. Ça fait toujours... Chaque représentation... je la vis à chaque fois avec des émotions très fortes. Parce que souvent, vous allez voir les spectateurs à la fin. Oui. Et il y a un échange. Il y a un échange. Qu'est-ce qui ressort de cet échange? Pas souvent, c'est chaque fois. À chaque fois? À chaque fois. Qu'est-ce qui ressort de cet échange? J'aime répondre aux questions, même si elles paraissent déplacées. Ils avaient peur de me faire du mal en me posant des questions. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis aux gens. J'ai dit, les questions que vous posez, je me les suis posées. Donc, et si je ne me les suis pas posées, vous allez m'interroger sur des choses nouvelles et moi, ça m'intéresse, parce que ça m'intéresse d'avancer.
Donc j'ai envie qu'on se pose tous des questions ensemble pour, pourquoi pas, trouver des solutions ensemble aussi. Mmh. À y réfléchir comme ça, à un moment donné, ça va donner quelque chose. Mmh. Alors demain, c'est la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Ouais. Et vous jouez en Normandie, à quel endroit exactement? À Mortagne-au-Perche. Donc vous serez là-bas, à la fin? Voilà, je serai à la fin pour une discussion. Répondre aux questions. Mmh. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer? Quelles sont les clés qu'on peut tirer d'une histoire comme celle de Rachel? Le premier enseignement, c'est vraiment que quand on cherche à aider, il faut se méfier de soi-même. C'est un travail qui oblige à se regarder soi. Qu'est-ce que ça me fait à moi d'entendre ça et de constater ces violences-là qui me dépassent? Et comment je mets de côté mes représentations, mes émotions, et je m'en sers, mais pour recentrer l'autre sur lui-même et pas pour me défaire de ce que ça me fait à moi. Et on sait aujourd'hui que ça touche tous les milieux sociaux. Oui, on a eu dans le groupe de parole des femmes d'avocats, de professeurs d'université, de médecins. De maires, de chefs d'entreprise. Il y a vraiment de toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Maude, quand vous voyez effectivement, il y a cette histoire, et puis ce dénouement, et puis cette reconstruction qui est inspirante. Quand vous voyez effectivement ce que votre sœur en a fait, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je suis très fière. Parce que, de partir plus bactère comme il l'a emmené plus bactère, et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, plusieurs années après, c'est vrai. Oui, c'est genre. Et moi, je souhaite à toutes les personnes qui vivent des choses comme elle, puis se reconstruire comme elle l'a fait. Mais après, je pense que c'est pas encore fini, mais je trouve qu'elle est hyper bien maintenant, quoi. Hyper bien, moi aussi. Hyper bien. Je suis d'accord. Donc il faudra voir ce spectacle, encore une fois, avec un titre formidable, parce que c'est une phrase qui vous a dite. Ouais. Je te veux impeccable. Ouais. Et ça commence par ça. Ça a l'air banal. Ouais. Et en fait, ça commence à dire beaucoup de choses. Et puis, il se trouve qu'il y a une maison d'édition qui a décidé d'écrire ce texte, finalement. Je te veux impeccable, une histoire de violence conjugale. Là aussi, c'est de la prévention. Ouais. Donc, beaucoup de personnes peuvent acheter ce texte et se reconnaître, parce que c'est l'objectif. C'est se dire, je ne suis pas seul. Et donc, vous m'avez présenté des gens importants pour vous. Je vais vous présenter à mon tour des personnes qui comptent pour moi. Ce sont des amis dénicheurs qui sont à l'affût des solutions qui marchent dans ce pays dont on nous dit que tout va mal. Et un peu comme vous, vous avez choisi de ne pas accepter la fatalité. Eux non plus n'acceptent pas la fatalité. Ils vont parler de sujets qui vous intéressent et de solutions, effectivement, dans ce domaine-là. Et je les vois arriver, ça tombe très bien. Et bonjour. Luc, salut camarades. Salut. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Brigitte est journaliste et au fond, elle s'intéresse effectivement à ces solutions qui marchent. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Et il existe, pour ces femmes qui sont isolées et abandonnées et martyrisées, il existe un lieu formidable qui se trouve en Seine-Saint-Denis, et c'est un cocon, une maison qui s'appelle la Maison des Femmes, et je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, c'est un lieu fantastique. Voilà, on l'a dit tout à l'heure avec Eric, il y en a beaucoup ici en France. Ouais. C'est important de donner des exemples et de montrer que ça existe et que ça marche. Ouais. Et puis Luc est papa. Luc est un mari un peu qui fait rêver toutes les femmes, parce que figurez-vous qu'il a accepté pendant 8 ans d'être homme au foyer. Et donc il va nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est vrai que vous aviez dit à Fred tout à l'heure que c'est au moment de votre grossesse que votre ex-compagnon a commencé à être violent avec vous. Et étonnamment, comme à peu près 4 femmes battues sur 10. Et ces femmes qui vont avoir un bébé, quand elles sont dans cette précarité justement de cette violence, eh bien elles ont besoin bien souvent d'un toit et d'un réconfort et d'un soutien. Je vous amènerai en Bretagne, à Vannes, pour vous parler d'une initiative que je trouve très belle. Bien. Voilà, l'important, c'est que ça vous donne envie. Ça vous donne envie? Ah oui, ça me donne envie, surtout en Bretagne. Hein. Mais chez nous. Et parce que vous êtes voisine de cette... de Rennes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Et Marc, figurez-vous, a parcouru le monde dans sa vie, puisqu'il a quitté une multinationale un jour pour décider qu'il devait trouver du sens à son existence. Et tu vas nous parler de quoi, Marc? Mais justement, on va pouvoir rebondir là-dessus, puisque dans le cadre du voyage, j'ai rencontré une initiative qui s'appelle Voix Libre en Bolivie, qui a, par le chant et par le théâtre, permis à toutes les femmes battues dans les régions dans lesquelles elles travaillent,
travail. C'est 90% des femmes qui sont battues dans les régions d'une certaine partie de la Bolivie. 90% des femmes sont battues. Dans cette région où ils interviennent, c'est à ce moment-là, oui. Et notamment là où il y a tous les mineurs en plus, où là on boit beaucoup pour aller dans la mine, bon, bref. Et du coup, en fait, j'ai vu à quel point le théâtre, en fait, c'est comme vous, c'est le théâtre qui vous a permis aussi d'exprimer, de retrouver cette force de vie à un moment où on en a besoin. En fait, ils font les mêmes choses. Et c'est, on a une image un peu élitiste parfois du théâtre. Et là, ça redonne vraiment le côté art populaire pour justement parler de ses émotions et retrouver, voilà, cette force de vie qui permet d'aller de l'avant. Et donc, j'ai trouvé ça également. En fait, ce type d'initiative, ça existe en France. Et donc, ça, c'est dans une initiative à Sevran qui va permettre d'amener le théâtre à la maison, en fait, c'est le théâtre de la Poudrerie qui présente des compagnies qui viennent jouer chez vous. À ceux qui ne vont jamais au théâtre. À ceux qui ne vont jamais au théâtre. Dans l'appartement, dans la maison. Dans l'appartement, eh bien, plutôt que de vous en parler, on peut regarder le sujet. Nous sommes à Sevran, dans le 93. C'est une des villes les plus pauvres de France. 80% de la population en France ne va pas au théâtre. Ici, nous sommes dans des seuils plus élevés. En tout cas, il nous est apparu fondamental que s'ils ne venaient pas, eux, au théâtre ou dans les lieux de culture, on a décidé d'aller chez eux. Donc, on a créé ce système de théâtre à domicile. Salut. On travaille avec des artistes très reconnus qui adaptent leur création vraiment pour l'écrin qui est celui du domicile. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Je te présente Thomas, Cédric et Bruno. Bonjour. Alors, moi j'étais déjà venue dans cet immeuble chez d'autres... D'autres personnes. Chez des voisins. D'accord. Voilà. Mais moi je suis dans cet immeuble. D'accord. Ah ouais. Allez, déshabille-toi. Bon, pas totalement quand même. Non, pas totalement. Tu peux. Ça fait 4 ans que j'ai entendu parler les théâtres au domicile. J'ai trouvé ça intéressant. Premier théâtre, on a fait à la maison avec une dizaine de personnes, pas beaucoup. Il y a mes voisins que je ne connaissais pas non plus. D'ailleurs, c'est avec les théâtres qu'on s'est connus. C'est pour savoir si on peut aller mettre les manteaux dans les chambres là-bas. Oui. L'objectif est artistique, esthétique, mais aussi, bien sûr, profondément social et politique, au sens large et noble du terme. Bonjour, maman Stéphanie. Maman, enchantée. Oui. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Valérie, enchantée. Je vais vous donner un petit papier comme ça. Parce... Ah, voilà. On vous attendait, du coup, hein? Là-bas. Mathias, le voisin. J'aime bien quand les gens ils viennent parce que je comprends. Ils n'ont pas assez de moyens pour y aller voir une pièce de théâtre pour payer 15€ ou 10€. Donc chez moi, c'est gratuit, je les fais venir. Comme ça, ils s'assoient tranquillement comme chez eux, familial. Donc le spectacle que vous allez voir ce soir s'appelle « Pourquoi je suis là ?». Je vous présenterai bien sûr les comédiens tout à l'heure. Puis après, on pourra discuter après le spectacle. C'est beau. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà. Le père, 39 ans, 1963. Il a 15 ans, c'est un môme. Et pourtant il se dresse face à moi et m'insulte. Je ne veux pas devenir comme toi. C'est du théâtre et en même temps, on est là pour raconter une histoire. On rentre chez des gens. On doit jouer différemment, on peut parler tout délicatement, leur parler. Et on sent l'effet que ça fait sur les spectateurs. Oui, là, celui qui n'ose pas regarder, celui qui veut pas parce qu'il n'a pas envie qu'on le regarde et que c'est troublant pour lui, celui qui est complètement avec nous comme ça. D'abord, ce qui m'a frappé quand on a déménagé dans cette cité Paul-Éluard, c'est le vent qui rôde entre les tours. Pas vraiment fait pour les conversations de voisinage. Passer brutalement de la douceur angevine à Bobigny, c'est un peu comme plonger dans l'Atlantique à 16 degrés après une sieste de 2 heures au soleil. À partir du moment où on a joué dans le salon de quelqu'un, toutes les barrières s'écroulent, tout le monde se parle, et c'est un échange très riche. C'est bouleversant pour nous aussi. Donc, la parole est à vous.
Moi, j'ai été émue aux larmes, vraiment. On voit les comédiens très près dans le théâtre à domicile, c'est forcé, puisqu'ils jouent dans un intérieur. Mais il y a toujours quand même une distance. Et vous, vous parlez aux gens, les yeux dans les yeux, on a vraiment l'impression que vous jouez pour les personnes, avec une proximité extraordinaire. Et ça, c'est une expérience que j'avais jamais vécue. Vous n'avez jamais vu en live. Ça, il faut le dire. Hein. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu le théâtre, c'était à l'école. Et ça, C'était hier. Et voilà, ça touche un peu, quoi. Plutôt que de rester chez nous enfermés, d'avoir peur de l'autre, je pense que c'est très très important d'aller discuter. Et finalement, les gens ne demandent pas mieux. Et j'espère que l'objectif de tout ça, c'est qu'on vive mieux ensemble. Magnifique reportage de Rita Schreiby. Ah ouais, chouette. Réaction. Ouais, très chouette. Spontanée. Émouvant, en fait. C'est idéal. C'est la fonction du théâtre. C'est aussi de rassembler les gens, quoi. C'est justement, moi je crois au théâtre pour ça, quoi. Il n'y a que lui qui peut rassembler les gens comme ça et ouvrir un débat pareil. Raconter des histoires, parler des émotions. Ouais. Et laisser la parole et réveiller des choses chez les gens. J'ai jamais été au théâtre. Voilà, souvent en plus on a des a priori sur le théâtre, là ça désacralise complètement, ça démocratise le théâtre pour tous, quoi. Maud, votre sensation? C'est une très belle initiative et je pense qu'en effet ça permet derrière, enfin moi je trouve qu'une pièce de théâtre où on peut échanger derrière avec les comédiens, avec la personne qui a écrit, c'est hyper important parce que voilà, on comprend pourquoi elle l'a écrite, on comprend pourquoi ce qu'elle a voulu donner comme message, et ça permet d'enrichir un peu les débats. Ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, et puis, voir des gens se parler comme ça pour la première fois, c'est très beau. Ouais. Éric, spontanément, votre sensation? Je pense que c'est par là qu'il faut aller, justement, comme tu dis, pour démocratiser, pour faire parler des émotions. D'ailleurs, avec le groupe de parole, c'est une des premières actions qu'on a menées à la demande des dames, c'est de travailler avec des compagnies de théâtre, de faire venir une pièce de théâtre et de faire un débat avec le public. Et les dames du groupe de parole étaient dans le public. Et moi, je me rappelle une fois, sur la première fois qu'on a joué, c'était Sans toi. Tu vois, oui. Dans le public, il y a des gens qui posent des questions avec leur représentation. Mais pourquoi ces femmes-ci? Mais pourquoi ces femmes-ça? Et c'est sa voisine qui lui a répondu. Mais vous voyez, monsieur, ouais, moi, j'étais une femme battue. Est-ce que ça se voit sur ma tête? Et ah ben non. Et le dialogue et l'échange, et ça se fait comme ça. Et je crois que ça fait partie du processus de reconstruction aussi. Donc ça crée du lien, ça fait réfléchir, voilà. Ça déculpabilise. On peut faire du beau avec du moche. On peut être accessible et exigeant. Ouais. Là, ça va encore plus loin, en fait, parce que la pièce, il y a donc une compagnie qui vient et qui va interviewer les différents habitants pour voir de quoi vous avez envie de parler, c'est quoi les sujets vous touchent, en fait. Ah, ils écrivent la pièce en fonction. Voilà, c'est pour ça que ça touche. Et en fait, l'idée, c'est une heure de théâtre et après, laisser vraiment la place pour le débat, parce que cette société nous a construit comme des atomes, en fait. On se sent très atomisés et on n'a plus de lieu pour se rassembler, pour voir quels sont ce qui nous rassemble. Parce que souvent, on excite un peu ce qui divise les gens, on fragmente beaucoup, alors que ça rassemble autour de l'universel. J'ai des émotions, qu'est-ce que je ressens, si j'en parle à mon voisin. Là, c'était intéressant. Là, c'était sur un non-dit entre père-fils et qui a posé la question, en fait, de dire, mon père m'a jamais dit je t'aime. Je sais pas ici, là, qui a eu un papa qui lui dit je t'aime ou pas, mais en fait, ça construit beaucoup la personnalité. Tu as dit je t'aime, ton père? Moi, ouais. Vous? Oh, moi aussi, plein. Moi aussi. Et en fait, c'est symptomatique. Il n'y a plus d'endroit pour parler de ça, de ce qu'on ressent. Et le théâtre, ce truc-là, ils sont vraiment à un mètre, en fait, d'ouvrir ça. On se rend compte, de la sagesse des gens, de verbaliser aussi leurs problématiques. Ils ne se sentent pas tout seuls. Ils sentent qu'ils sont tous très nombreux à penser comme ils pensent. Et de ça, ça ouvre, en fait, quelque chose. Et là où, des fois, il y a de la colère, de la frustration, le fait juste de l'exprimer, ça libère de l'espace pour quelque chose de beaucoup plus créatif et de plus productif, entre guillemets. Donc, c'est vraiment plus que juste
aller faire du théâtre. Quoi. Bon, ouais. Cette compagnie, en tout cas, ils sont formidables, tous très attachants. Ça s'appelle La Poudrerie. Le théâtre de La Poudrerie. Ok, et donc, ils font beaucoup. Donc, ils en font beaucoup. Il y a 12 compagnies qui sont sous ce théâtre-là. Il y a des comédiens très célèbres qui participent à cette compagnie. Même eux, ça leur donne une source d'inspiration très forte. Et donc, certaines pièces sont jouées à Paris et d'autres partent même à l'étranger maintenant. Donc, ça vraiment. Et avec des acteurs qui sont issus de ces quartiers-là. Et la personne dit c'est gratuit. Alors, c'est financé par qui? Alors, c'est financé par la mairie de Sevran qui a été à l'initiative de ça, 50%. On félicite la mairie de Sevran. Voilà. Mmh. Et en même temps, par le conseil général, la région, qui se rendent compte que c'est vraiment un outil extraordinaire pour pallier à toutes ces problématiques. Parce que les gens, il y a 100 nationalités, par exemple, à Sevran. Donc, comment, quand on est à 100 nationalités différentes, dans des situations de précarité, on arrive à recréer du lien et à lâcher les préjugés pour voir qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et il y a 5 autres compagnies qui font ça en France et la demande explose. Eux, ils ont pu toucher 5000 personnes et ils ont joué chez 240 habitants différents. J'ai envie qu'on les apprenne. On a envie de leur dire merci d'exister. Luc, oui. Tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous parler de... Je vais vous parler de ces femmes enceintes qui ont vécu la violence de leur conjoint. Et moi, c'est vrai que c'est ma plus... En étant, ayant été femme au foyer, mère au foyer... Ben non, c'est oui, pardon. Ça veut dire qu'en 8 ans, j'arriverai mis dans la peau de ces femmes qui sont à la maison. Et ma plus grande frustration, c'est de ne pas avoir connu justement cette grossesse, parce que je trouve que c'est, ça doit être quelque chose de terrible. Et de vraiment très enrichissant. Pardon. Je me mélange. Ça s'appelle un lapsus. On garde. Ça s'appelle un lapsus. J'aime beaucoup. Donc, Luc. Donc, voilà. Ça doit être terrible. Non, mais tu penses quoi en vrai? Je pense que c'est une vraie frustration de ne pas avoir été enceinte dans ma vie. Mais tu penses que ça doit être terrible quand même? C'est fabuleux. Fabuleux et terrible. Une vraie aventure humaine. Bon, allez. Alors, continue, Luc. Voilà. Quand on est enceinte, on a des bouleversements physiologiques et psychologiques assez importants. Et si par rapport à tout ça, eh bien, on est dans une situation de précarité, de sous-emploi, où on est rejeté par sa famille, où en plus on peut connaître des violences conjugales, toutes ces femmes qui vivent ça, il arrive parfois qu'elles sont en rupture avec leur famille, avec leur conjoint et tout ça. Et ces femmes, elles ont besoin justement d'avoir un toit, un soutien. Eh bien, à Vannes, à côté de Rennes, il existe en fait une structure qui s'appelle l'Atilma. Alors, l'Atilma, c'est une très belle image. C'est en fait le nom d'une espèce de cape chez les Mexicains. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Une cape avec une capuche, sans manche, et avec un lien qu'on serre autour de son cou. Et ce lien, en fait, s'ajuste à la personne. C'est-à-dire qu'on peut être grand, petit, mais hein, on a une seule taille. Et ce manteau vient protéger tout le monde. Je trouve que c'est une belle... Donc un manteau qui va à tout le monde. Un manteau qui va à tout le monde, exactement. Ouais. Et donc, ce lieu s'appelle l'Atilma. Et en fait, il possède 5 studios et un T2, deux pièces, pour accueillir justement ces femmes qui sont dans une situation de grande précarité. Et ces femmes, en fait, elles viennent, soit elles sont déjà enceintes, soit elles ont déjà un petit bébé, mais en tout cas, on les accompagne. À l'intérieur de cette maison, il y a 3 personnes, 3 salariés. Il va y avoir une conseillère périnatale qui va vous aider avant ou après la grossesse. Il va y avoir une chef de maison qui, elle, va veiller au bon grain de comment tout se passe. Et une assistante sociale qui va aussi vous aider dans vos démarches. Parce que l'idée, c'est aussi de retrouver un logement plus tard, de retrouver un emploi, de retrouver de se réinsérer quelque part. Et puis aussi, à l'intérieur, il y a tout un tas, au moins une dizaine tous les jours de bénévoles qui se relaient justement pour faire des ateliers cuisine, faire des ateliers tricot. Tu le sais, moi j'adore ça, le tricot. Le tricot, le problème c'est que c'est vrai, il m'a fait un bonnet. J'ai fait un bonnet pour moi. Oui, un beau bonnet. Tu mets que en mérite d'un 100%. Oui. C'est une forme de méditation, ça revient à la mode, le tricot. Oui, et le crochet aussi. Oui, c'est joli. Ouais. Et en fait, ils ont, leur initiative est vraiment très belle parce que, en fait, ça va permettre à ces femmes déjà de pouvoir quitter un conjoint violent, de se retrouver dans un cocon et de pouvoir aller repartir et se dire que cette grossesse qui arrive, ou cet enfant qui arrive plutôt, eh bien, ça va être l'occasion d'un nouveau départ, de repartir, pas comme un boulet, mais au contraire, quelque chose qui va redonner espoir pour l'avenir, en tout cas. Et rompre l'isolement. Je voulais vous donner une dernière info. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de 1001 vies. Il y aura un lien avec une plateforme sur le site internet de France 2 pour que des femmes qui sont victimes de violences conjugales puissent témoigner. Venez témoigner sur cette plateforme. Ouais. Ça servira à d'autres. Mm. 1001 vies, puis France 2. Ça, c'est une belle initiative. Ouais. Réaction spontanée quand des êtres humains dans notre pays font ce genre de choses.
Moi, je trouve ça, voilà, ce type de lieu, ça permet voilà, d'avoir une autre vie, une autre dynamique autour de soi que l'environnement qui est parfois toxique, son environnement de base. Donc, moi, je trouve ça vraiment, voilà, ça, c'est parfait. C'est... Éric, vous êtes assistant social, donc travailleur social. De quoi on a le plus besoin quand on est en détresse, finalement ? De plus de lieux comme ça et de plus de financement pour ces lieux comme ça, déjà. Parce que pour permettre la reconstruction, il faut reconnaître qu'à un moment donné, cette femme a été en état d'être la victime de. Mais si on continue à vouloir les aider à se reconstruire tout en les regardant comme des victimes, d'état de victime, on va passer à un statut, à une étiquette qu'on va leur coller sur le dos. Donc un état, c'est provisoire. Ça qui voilà, l'état doit rester provisoire, sinon il devient un statut. Et justement, dans le processus de reconstruction, reconnaître cet état de victime à un moment donné de leur vie, c'est permettre de faire une pause. Et je pense que dans des endroits comme ça, elles peuvent faire une pause. Bien sûr. Et de se réenvisager comme une femme, comme une professionnelle, comme une mère. Ouais. Et de reconstruire sa vie autrement que par la définition de victime. Ces endroits-là permettent... peut-être ce genre de choses. Ça a une sorte de sécurité affective aussi. C'est ça. On a l'impression qu'il y a de la chaleur humaine, j'ai envie de dire, tout simplement. Absolument, absolument. Ces femmes, en fait, elles arrivent, elles ont le droit d'arriver, entre guillemets, à partir de leur premier mois de grossesse, jusqu'aux 6 mois du bébé qui est né. D'accord ? Donc, elles peuvent tisser des liens, avoir du temps, un peu, de s'installer dans ce break, quoi. Alors, une seule association en France, c'est un seul lieu comme ça, c'est pas possible. Mais voilà, non, il y en a plein, voilà. C'est important parce que la question, c'est qu'il existe des choses, et il y a plein de gens qui savent pas que ça existe. Et donc, la question, c'est vers quoi se tourne ? Alors, on pense à Internet, mais sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Le numéro 3919 permet aussi d'avoir ces informations. Ce type d'informations. Et c'est très important de pouvoir... Et sur le site de Mille Une Vie, maintenant. Super. Et sur le site de Mille Une Vie, si vous avez, vous connaissez des gens qui font des choses formidables, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous, on mettra un coup de projecteur avec beaucoup. Le ministère aux droits des femmes aussi a un site où on peut avoir des informations. D'accord, mais la question, c'est ce site... Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les institutions font des choses. Il faut avoir l'idée Et on l'a découvert tous les jours ici. Au fond, il y a des fois un décalage entre ce qui existe et le niveau d'information. L'information. Où trouver les informations. Voilà. Déjà, 3919, c'est un numéro qu'on retient facilement. 3919, oui. Merci, camarade. Alors, Brigitte. Moi, je vais vous parler dans le département de le plus pauvre de France, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis. L'hôpital de La Fontaine reçoit de plus en plus de femmes maltraitées, victimes de violences. Alors, l'un des médecins, le médecin-chef de l'une des responsables, plus exactement, je ne sais pas trop si elle est chef, l'une des responsables du service maternité, a eu une prise de conscience et elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je vais vous montrer cette dame. La voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait alors ? Alors, cette dame, elle a constaté qu'il y avait de plus en plus de jeunes femmes qui, en sortant de la maternité, partaient dans la rue avec leur bébé et n'avaient pas de lieu où aller. Ah oui ? Elles allaient se retrouver à la rue. Et donc, elle s'est dit, il faut que je fasse une maison pour les femmes. Et donc, avec l'aide du personnel soignant de l'hôpital, elle a créé une maison en juillet 2016 et qui s'appelle la Maison des Femmes. Elle est à destination, j'allais oublier, c'est important. De qui exactement, De toutes les victimes de violences conjugales, familiales, les femmes qui sont mariées de force, les femmes victimes de viols, d'inceste et d'excision aussi. Toutes ces femmes-là sont acceptées dans cette maison. Alors, c'est un cocon, je vais vous la montrer. Dans quelle ville exactement ? À Saint-Denis. D'accord. Elle est attenante à l'hôpital de La Fontaine. Elle a une porte un peu cachée pour que les femmes puissent rentrer discrètement et pas être embêtées par des vilains. Voilà, en permanence dans cette maison, il y a des chirurgiens, des médecins, des psychologues, des avocats qui sont là pour conseiller, aider ces femmes, des sages-femmes, enfin tout ce dont elles ont besoin. Et donc elles vont vivre dans cette maison ou non, elles viennent, elles passent. Il y a des ateliers de massage, de sophrologie et même des cours d'autodéfense pour aider ces jeunes femmes. Je trouve ça génial, moi, personnellement. Chaque jour, il y a une trentaine de jeunes femmes qui viennent dans cette maison. Voilà. Et qui sont ensuite réorientées, prises en charge. Voilà. Et donc, il y a des choses qui existent, au fond. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de votre histoire et de la solitude qu'il y avait à l'époque. Et merci. Merci, les camarades, pour ces chouettes initiatives qui donnent de l'espoir et qui nous disent que tout n'est pas foutu. Il y a plein de gens qui font des choses formidables. Il y a beaucoup de gens qui sont créatifs dans ce pays et qui se relèvent les manches et qui agissent
fils, les feuzeux, comme les appelle Alexandre Jardin. Merci les camarades. Merci beaucoup Eric. Merci. Merci Maud d'être venu ici. Et puis merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de raconter votre histoire. Je rappelle qu'il y a un texte qu'on peut lire, Je te veux impeccable, aux éditions de l'Harmattan. Et c'est finalement l'histoire du... C'est une histoire de violence conjugale, voilà. C'est l'histoire du spectacle que vous avez écrit, parce que vous êtes dans la transmission pour que cette tragédie que vous avez vécue puisse avoir du sens, puisse servir et que vous puissiez sauver des femmes. J'espère. Et vous le faites. Et donc pour ça, merci pour votre confiance. Merci. À très très bientôt. Merci beaucoup. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez touché par le témoignage de Martine Nezri. Élevée dans le judaïsme par un père rabbin, Martine choisit d'épouser un homme catholique. Reniée par sa famille, elle restera 10 ans sans les voir. Une épreuve qu'elle a su transformer en un message d'amour universel. J'ai eu un petit copain, il ne connaissait pas trop la religion juive. Papa a appris, il m'a appelé et il m'a dit « Écoute, voilà, je sais que tu sors avec quelqu'un qui est non-juif. C'est ou lui ou moi. Si c'est lui, à ce moment précis où je te parle, je n'ai plus que 3 enfants. » C'est sorti comme ça, je lui ai dit « Mais écoute, papa, c'est lui. »